thing under space. The ship's bleeding to death. We're not gonna have power left to get home. The Odyssey is dying. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, bah finalement, on aura fait le full set des Steelbook Vault. Voici le dernier que je vous présente. Il s'agit d'Apollo 13, le film de Ron Howard. D'ailleurs, c'est bien écrit un film de Ron Howard, donc en français. Donc c'est le septième de la collection. Je vous ferai un petit récap à la fin, comme ça je vous les remontrerai tous. Alors Apollo 13, j'avais plus rien en fait sur ce film, un film que j'ai dû voir une fois seulement, quelques temps après sa sortie ciné. J'avais bien aimé, mais je l'ai pas revu depuis, bon je ne sais pas pourquoi. Donc ce sera l'occasion avec cette sortie de le revoir. Déjà dans les commentaires vous pouvez me donner votre avis sur ce film. On a un très très joli casting dans ce film, hein, donc hormis Tom Hanks, il y a Gary Sinise, on a Kevin Bacon, on a Bill Paxton, donc un très 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 joli casting. Donc avant de déballer, comme d'habitude, on va faire le tour de l'édition pour voir le contenu et l'audio. Donc au niveau des langues, on a droit à de l'anglais en DTS HD Master Audio. Pour le français, c'est du DTS Dolby Digital 5.1, donc là pour la version 4K. Pour le Blu-ray, c'est de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en DTS Dolby Digital 5.1. Donc pas de problème au niveau des langues. Au niveau des bonus... Donc ça se passe en haut, alors sachant que j'avais pas pris la box à l'époque Volt, hein. Donc en termes de contenu, là c'est la découverte. On a la Lune perdue, le triomphe d'Apollo 13, la conquête de l'espace, la Lune et plus encore. Chance 13, l'histoire des astronautes, Apollo 13, 20 ans plus tard, bande-annonce présentée en salle, commentaire de Ron Howard et commentaire de Jim et Marilyn Lovell. Donc voilà, pas mal de bonus, ça a l'air bien complet. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, par contre, il faudra bien vérifier s'il n'y a pas des fautes d'orthographe. Je regarde vite fait comme ça, mais à part Les Dents de la Mer, où vraiment c'était massacré, a priori, pour les autres éditions, ça a l'air d'aller. Donc, je vérifierai ça de mon côté. Alors, on a un fourreau transparent, comme d'habitude, qui coulisse. Et du coup, le titre, le nom du réalisateur disparaissent et on a ce steelbook très 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 épuré pour le coup, donc, avec donc une vision de l'espace. Et alors j'avais peur au départ que ce soit des griffes ou des petits défauts, mais non, c'est des indications, des petites notes, hein, vous voyez sur le côté. C'est assez étonnant, je dirais presque que ça a été noté à la main comme ça. C'est une sorte de plan en fait, hein, avec des indications pour le parcours de la navette, hein. Donc plutôt pas mal. Alors ce steelbook est vendu 30€. Hein. Moi je l'ai acheté chez Cinestory. Je pense qu'il doit en avoir encore, hein, si vous voulez vous procurer cette édition. Sur la tranche, vous avez le titre Apollo 13 avec le logo Universal. Hein, parce que les Vault, la plupart c'est Warner. Et il y en a uniquement deux d'Universal. C'est Les Noms de la Mer et Apollo 13. Et voici l'arrière du steelbook. Donc là on est à l'intérieur de la navette avec quelques petites indications en bas, fabriqué au Danemark, le logo Universal, quelques effets brillants ici au centre. À l'intérieur, on a le droit à deux disques, donc je pense que pour ceux qui auront déjà la marée 4K, il n'y aura pas de grosses surprises. La version 4K Ultra HD, la version Blu-ray, la seule différence c'est que vous avez les indications en bas pour les différencier. Et voilà l'artwork interne. Donc là, l'artwork est net, pas de souci. Et voilà le steelbook à plat, qui est pour moi un des moins beaux de toute cette collection, qui est plus simple, moins beau en tout cas que les Évadés ou Blade Runner, hein, qui sont vraiment les plus beaux, je trouve, de cette collection. Alors je vais vous les remontrer juste après. Donc là, ça c'est pour Apollo 13. Mais heureusement qu'il y a le fourreau, sinon c'est un peu triste. Donc voilà, Apollo 13. Et je vous remonte les derniers, donc les Évadés. Donc ils ont tous été présentés sur la chaîne, hein. Donc vous pouvez les retrouver en présentation. Ensuite, on a Blade Runner, là, qui est vraiment magnifique. Vraiment excellente surprise celui-ci. Les Affranchis. Donc, plutôt pas mal aussi. Scarface, donc là Scarface est également très très joli. 2001, l'Odyssée de l'espace, et un des premiers qui était sorti, Les Dents de la Mer, donc par contre qui est bourré de fautes d'orthographe et même de fautes de grammaire à l'arrière.
Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Apollo 13 dans cette collection Volt. Ben dites-moi ce que vous pensez de ce steelbook. Qu'est-ce que vous pensez du film si vous l'avez vu? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et vous pouvez me dire dans les commentaires les steelbooks Volt que vous avez pris de votre côté. On se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.